Bon bah allez, assieds-toi. J'ai ma chaise. C'est toi Nathalie? Oui. Très bien. Alors d'après mon planning, t'es une artiste designeuse et tu veux des fonds pour ta nouvelle œuvre qui s'appelle Ideal O, c'est ça? Bon ok, super, vas-y. Je demande qu'à être convaincu. Ce projet s'inscrit dans le cadre du grand projet Rhône-Alpes Design dans la cité. Le musée d'art moderne de Saint-Étienne Métropole présentera à l'occasion de la Biennale la première réalisation dans le cadre de son projet Ideal Home. Attends, je comprends plus là. C'est le projet de qui? Bien. Le projet Ideal Home souhaite mettre en avant la richesse de création au croisement des disciplines de design, d'architecture et d'art plastique. En confiant au créateur la possibilité d'imaginer une réalisation expérimentale sur le thème de l'habitat inscrit dans l'espace public. En pilotant cette opération et avec la participation des acteurs concernés à Saint-Étienne, le musée souhaite soutenir l'implantation des signaux contemporains et expérimentaux dans la ville, au-delà des manifestations temporaires. J'aime pas trop les manifestations, hein. Même temporaires, ça fait du bruit sous ma fenêtre. C'est donc dans le cadre d'un appel à projet organisé par Saint-Étienne Métropole, à l'initiative du musée d'art moderne et avec de nombreux partenaires. Oh là, attends, quel partenaire? La ville de Saint-Étienne, avec notamment l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, la cité du design, l'école supérieure d'art et de design et l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne. Le tout soutenu par la région Rhône-Alpes. Ouais, on continue. Je voudrais proposer une œuvre qui par la lumière matérialisera un mobilier de survie et donnera enfin un sens corporel à l'architecture. C'est de moi. Ça fait des années que j'essaie de développer une œuvre polymorphe qui poserait la survie comme figure de la création et qui s'emparerait de l'exploration polaire et de ses modes opératoires comme métaphore de l'acte artistique. L'élaboration des principes sensibles du modulor de Le Corbusier, ce refuge éblouissant devient un espace d'habitabilité et de projection mentale et propose de jour comme de nuit une perception troublante du temps et de l'espace. J'ai qu'une chose à dire, c'est génial, j'achète, enfin plutôt je finance.